sa conduite avant de dormir et au réveil. Lorsqu'il se mettait au lit, il disait Bismikallahumma amut wa ahya. Il joignait aussi ses deux mains, il soufflait légèrement et disait Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Les trois dernières sourates du Coran. Dit Allah est unique, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'homme et dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Puis il passait ses mains sur son corps en commençant par le visage et la tête, puis le reste de ses membres. Il répétait ceci trois fois. En se couchant, il mettait sa joue droite sur la paume de sa main droite et disait trois fois Allahumma qini adabak yawma tab'athu ibadak. Oh Allah, préserve-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Au réveil, il disait Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir et c'est vers lui que se fera la résurrection. Puis, il se brossait les dents avec son siwak. Il dormait au début de la nuit et priait jusqu'à la fin de la nuit. Parfois, il veillait au début de la nuit car il s'occupait des affaires des musulmans. Ses yeux dormaient, mais pas son cœur. Lorsqu'il dormait, personne ne le réveillait jusqu'à ce qu'il se lève tout seul. Son sommeil était le meilleur et le plus profitable.